Philippe, sénateur Grandance, qui sénateur qui était élu, qui était gagné certificat Lamel, que Jocelyn Brivère, avec ministre justice li à l'époque, qui c'est Camille Edouard Junior, arrêté le 5 janvier 2017. Pendant que Guy Philippe, dans la prison aux États-Unis d'Amérique, ils font déclaration là, moi-même personnellement, je m'attends de ça à dire, justement, je me sens tout comme même envie de transformer. Je me sens tout comme envie de transformer. Parce que le moment où je des dossiers assassinat de Moïse, effectivement, on montre que ça blessé ou et que si vous êtes là quelque part, ou t'as fait quelque chose. Et mais justement, on sentit que, aïe aïe aïe, présence sous, t'es important dans le moment. Qui s'allie? Guy Philippe font déclaration là, effectivement, qui bouleverse Internet là. En pile monde relève dans le téléphone. Dis mais Fouberto, est-ce qu'on t'a des interviews Guy Philippe fait avec journaliste James Lan? Dit, moi, comment c'est dans elle, même si tu as un petit problème de temps, effectivement, nous avons une émission, nous ne sommes pas capables de finir dans elle. Et mais hier soir, à 2h du matin, je prends compte de temps pour me tendre l'émission hein, et me tendre pendant 3 fois. Ça veut dire que je fais environ 3h de temps pour me tendre l'interview. Et mais justement, Guy Philippe dit, si lui-même, il était dans le pays comme sénateur de la République, ne go pas tap katouye Jovenel Moïse comme président de la République. Et c'est ça qui frappe. Monsieur dit, s'il était là comme sénateur de la République dans le pays, même comme citoyen, ne go pas tap katouye Jovenel Moïse. Et m'pral fait nous de déclaration ça, n'a pas saisi. Ou qu'on a pile bagay, que m'songe, honnêtement, Guy Philippe, s'il était là, moi, quoi que Matissan, pas tap ka bloqué, pendant 2 ans, le bloqué là. Jamais. Si Guy Philippe était là, Guy Philippe n'a pas accepté comme sénateur de la République pour la vie dans le Parlement, pour se pas monter comment elle est dans une zone côté autour de Jean-Baptiste pour la passer par la boule 12 Taraz. Guy Philippe n'a pas pris. Et me garantis nous, Guy Philippe t'a pris les armes contre ce groupe à sa patte, ce groupe voyou, ce groupe volant, ce groupe qui a fini avec Zone Matissan. Et mais c'était calpino pour le bagay. Peuple là sous bataille. Sauf que peuple là besoin yon leader. Et du peuple là sous bataille, sauf que peuple là besoin yon leader. Et mais c'est exactement ça que peuple là pas ka joine qui cause nous un pays à trouver dans ça que trouver là. Nous prenons le temps de déclaration sénateur Guy Philippe là et puis gan pile l'autre parole qui va parler sous dossier libération qui t'a parlé dans toute la presse là. Que ça va parler pour nous dans interview ça et que nous allons attendre dans l'académie ça. Et gan pile parole qui va parler. L'autre bagaille qui est important. Reginald de Boulos. Patron MTV Haïti. Reginald Boulos gagne un bois droite li là. Yon cavalier Paul Cal, yon bois Amélie, yon qui travaille pour Reginald Boulos, yon proche li. Yon boîte secret Reginald Boulos, que DCPJ arrêté 29 novembre Kapvin la. Yon arrêté monsieur, parce que DCPJ tap font fil à tout sous monsieur selon l'information qu'il gagne, avec deux moun que yon arrêté déjà, qui nan kidnapping. Et bien DCPJ arrêté monsieur sous plusieurs chefs d'accusation. Et bien, yon fait qu'on est que monsieur nan vend zam. Monsieur dans gang, monsieur dans kidnapping. DCPJ est appelé monsieur. Et mes peuples haïtiens, gens que nous connaissons, ça qu'on fait États-Unis d'Amérique, le DCPJ a cuisiné monsieur, a pesé monsieur, a auditionné monsieur. Et mes proches Reginald Boulos là, allié Reginald Boulos là, monsieur a avoué dans DCPJ, et que oui, li participe nan en pile kidnapping ki fait nan Port-au-Prince lan. Monsieur avoué de CPJ que li nan gang et gang monsieur ya, c'est nan gang ti Gabriel la que monsieur y est paparitien. Ça veut dire que m'vle nous confirmer encore une fois et que Reginald Boulos qui gen ti Gabriel kap travail pour lui et qui gen gang Belay kap travail pour lui en pile kidnapping kap fait sous Delma. Moun sa yal sérieux sou belè. Yal sérieux nan base vite l'homme tout. Yal sérieux au village de Dieu. C'est gang Reginald Boulos yo kap travay nan Port-au-Prince la.
Et c'est là, ma baye, président de l'équipe arabe, là, alors Maslen Mitil, crédit ça. Arabe dit comme ça que, quand on a Boulos a caché dans le pays étranger, Boulos a gagné, kidnapping qui a fait là 24 sur 24 pour lui. C'est qu'on a baye arabe la raison. C'est qu'on a baye arabe la raison. Parole ça, monsieur, toujours dit, dans chaque clan, nous évitons, monsieur, dans l'émission. Ok? Monsieur, toujours dit ça. Mais effectivement, je dis à public, pays, nation, nous devons prendre note. Nous devons connaître que Reginald Boulos a une industrie kidnapping qui travaille à 24 sur 24. Et Arab Lental plus loin, pour le dire que c'est même gens tout pour Dimitri Vop. Dimitri Vop a un kidnapping 24 sur 24 qui travaille pour lui et qui a touché l'argent ça. C'est Don Kato qui a géré l'agence kidnapping ça pour Dimitri Vop. Et pas de CPJ qui a fait appeler les gens. De CPJ pas questionner Don Kato. De CPJ qui tenait le cas, il a fonctionné. Ralifi ou chevri fin kidnappe moun touye moun avec Fantom 69, pas rien kap fait. Fantom 69, still ap kidnappe moun nan pays ya. Pas rien moun ki dit rien. Et mais justement, peu païsien, jodi la, kabret lan kole, et pas rien ou pa bois, tout moun ouè vre met bœuf la, avec colonne moun ki te volo bœuf la, c'est la vérité seulement, kap triomphe. Pren responsabilité ou, parce que détail yo la fête. Aïsse Fomsom, jodi anou exactement, et 16 décembre 2022, pas bille ou sous plateforme Poland, qui c'est plateforme YouTube Info Bertoa. Et Jacques Connel en pile évolution. Et donc ça qui vient pour avec de ces sanctions qui vient pour prendre contre les oligarques corrompus. Et effectivement, moi même je fais me connaître que 28 décembre qui vient là. Reginald Boulos avec Dimitri Vob, c'était te fait que commencer boire parce que on connaît que 28 décembre qui vient là, non Boulos, non Dimitri Vob, non Jean-Marie Vob a figuré sous les sanctions. Ça, c'est parole. Moi-même, pas de menti. Pays, la République d'Haïti, peuple haïtien, connaît que si un régime de sanctions qu'a prend contre un groupe de monde, depuis qu'il pas prend contre Reginald Boulos, connaît que pour qu'on ait sanctions. Même si on prend contre Chérif Abdallah, Gilbert Bidjo, Renaud Dib, depuis qu'on prend contre Reginald Boulos, pour qu'on ait sanctions. Selon peuple haïtien, et selon moi-même tout, je ne peux pas dire pourquoi il sanctionne, mais sanctionne manqué. Il manqué. Parce que Reginald Boulos, comme chef de gang, comme criminel, comme assassin, si vous sanctionnez qu'il prend, il ne va pas prendre contre lui, et même garantir que sanctionne manqué. Et bien justement, dans le jour où vous venez là, je ne peux pas demander si la République a chauffé le couvert bois, vous n'êtes pas capable de demander des gangs pour tirer 4 touches sans camper. Ne pas capable de faire gang canarin continuer et faire massacre sur monde parce que blanc li gon antenne sous chaque grain nèg sa yo. Et bien justement c'est un pile causé qui va le passer dans pays. Le Royaume-Uni annonçait la couleur. Alors Conseil de sécurité des Nations Unies annonçait la couleur. Royaume-Uni annoncé 28 décembre qu'a vinn là et que lui-même li pral prend sanction contre nèg sa yo. Qui alimente gang dans le pays d'Haïti, qui n'a gang dans le pays d'Haïti, qui n'a kidnapping dans le pays, qui a alimenté violence dans le pays, la prend sanction contre vous. Il y a le plus loin. Il y a interdit chaque nèg sa que vous sanctionnez, faire business en dans propre pays à qui c'est pays d'Haïti. Ou là, moi-même dis bravo, bravo, bravo avec le régime sanction ça, qui a venir. Dossier est compliqué. N'y a pas de problème. Même dis nos grandes bagailles. Nous-mêmes nous là. Pour nous kembe ou informer sur tout ça qui a passé dans le pays ça, sur toute évolution qui gagne dans le dossier ça yo, qui a dominé le pays, qui fait que ou même comme jeune ou pas carré dans le pays ou. Je dis à moi, ou même comme jeune. Chita pour chita sous table domino, nous avons un grand discours qui nous gagne. A nous bâtir tête nous bourrade à partir du régime sanction ça, que l'international a pris contre le groupe criminel ça yo, qui finit avec l'avenir dans le pays. Parce que je dis, si nous avons un bâtir, possibilité pour nèg tête grain pour alors classe moyenne haïtienne pour haïtien qui vient de diaspora vient investir dans pays ou même comme jeune garçon ou t'es capable sous table domino ça chaque jour ça veut dire que lors quitter l'école ou t'es capable l'autre travail pour le faire ou t'es capable un comptable justement capable brûler venir gérer une entreprise là justement ou t'as jeune travail ou t'as grand pile activité t'as créé t'as grand pile comme c'est d'ajou jeune entreprise qui t'as créé mais effectivement avec criminels ça qui dans pays qui voit que c'est eux même seulement qui pour gagner l'argent. Ou même nèg tête grain pour débris l'argent. Yo voyez kidnappo. Ou mettre l'argent dans banque yo. Pendant l'argent dans la banque yo, depuis comme l'arrivée 50 000, 100 000 dollars américains, yo gèt fè fil là-dessus sou et puis yo veyo, quoi sorti dans banque yo, bien là la caillou, yo kidnappo. Et puis yo mande tout comme là. Pendant que
Lorsque 1 million dollars la banque, va chercher, yo dit c'est 50 dollars américains ba ou, mais quoi kidnappé ou? Même si tu as 100 000 dollars américains, depuis ce kidnappé ou kidnappé ou, et bien justement banque la baille fait vert pour que yo retire 100 000 dollars américains cash à partir d'un chèque consigné. Justement nous capable comprendre dans qui complot que nous prend. Et bien ça qui passé. Ou que shérif Abdallah, il s'est mettre kidnapper dans pays d'Haïti, et bien il s'est mettre soje banque tout. OK? Il s'est mettre kidnapping dans pays d'Haïti, et bien il s'est mettre soje banque tout. Ou gen Gilbert Bidjo. Alors, ou gen Edouard Bossan. Li se met kidnapping dans pays d'Haïti, ISO 5 secondes village de Dieu. Travail pour lui, li se met Unibank tout. Ça veut dire pas qu'il moyen pour kidnapping ta suspend dans pays ya. Vle nous caler les yeux nous, vle nous prendre responsabilité nous, vrai bataille là, il veut déclencher partie c'est ça que nous connaît. Je dis à nous exactement 16 décembre 2022. M'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, ou attendez nous, ou regardez nous. Encore une fois, Jacques que nous connaît, c'est toujours un plaisir pour moi pour que m'ensemble avec nous. Ça a vraiment fait du bien. À chaque fois que je me connais, je viens partager un moment ça avec nous et que je me connais, nous allons réagir exactement à travers les commentaires. Alors, c'est là que nous disons tout ça que nous pensons. Eh bien oui, tout ça que nous comprenons de ce qui dit dans l'Académie Panouan, qui passe sur la plateforme Panouan, qui est sur la plateforme YouTube, info bientôt. Hein. Parce que il est clair que, pardon, il est clair que, eh bien nous entendons, nous comprenons, nous apprécions ce travail-là. C'est normal pour que nous capables de gagner une réaction. Réaction par nous, pas que l'autre que nous capables de faire, c'est exactement l'espace commentaire là, quand vous déjà ouais toutes amis, toutes familles amis plateforme là, à commenter, à dire ça que vous pensez, à dire ça que vous comprenez. C'est extrêmement important pour que vous même capable de la tout comme familles amis plateforme là, pour que vous commentez, ou analysez, ou dire ça que vous pensez, ou dire ça que vous comprenez. Donc il y a plusieurs points que nous pourrons aborder ensemble avant dans cadre d'émission ça. Premier point que nous avons abordé, c'est dossier kidnapping et qui président général Boulosta dans pays n'importe où là que les CPJ arrêté n'a pas avancé gagné Franzi Valmy alias Didi membre fondateur de MTV Haïti et bras droit du docteur Réginal Boulos arrêté le mardi 29 novembre 2022 par la DCPJ a été reconnu coupable pour son implication dans de nombreux cas d'enlèvement, de trafic d'armes et de ramifications avec les gangs. Écoutez bien, Franz Valmy, qui est petit garçon Réginal Boulos, qui travaille pour Réginal Boulos, qui c'est nèg qui coordonne mouvement gang dans le pays d'Haïti pour Réginal Boulos, parce que Boulos a un groupe gang même qui travaille pour lui, il est PDG gang ça. C'est gang yo relé GPEP là qui contrôle parti Gabriel et ben nèg si Boulos gen zam pour le voyer ça avec citoyen ça pour le voyer qui font citoyen ça que les Franzi alors Franzi Valmy c'est nèg ça qui pour alimenter gang yo avec zam pour Réginal Boulos dans un premier temps c'était Réginal alors c'était Anel Belizer qui te connait faire l'un te connait dans mouvement pays loc là nous songez ça et ben DCPJ gen en pile information sur citoyen ça. DCPJ fait filat sous monsieur parce que DCPJ m'pa ba nou menti. C'est parce que pas une volonté réelle pour que la DCPJ traque yon série de nèg k'ap fait kidnapping dans pays ya qui cause ouais une série de moun qui pa dans prison. Et bien justement si DCPJ pa quitter politique la couvril, pas de peur. On sait des gangs dans politique et mes côté m'a parlé avec nous là DCPJ t'a fait un travail extraordinaire et pas t'a gagne monde qui t'a pas bloqué DCPJ parce que yo gagne compétence pour que yo traquer bandi dans pays d'Haïti. Si DCPJ t'a pas arrêté monde qui alimenter gang yo vraiment monde qui met gang yo monde qui planifie kidnapping yo qui c'est des oligarques corrompus nous pas la privé là parce que DCPJ connaît yo. Li connaissez yo qui met kidnapping nan. Li connaissez avec yo même kidnapping nan rive nan dimension ki rive la. Si DCPJ t'a fait travail li, nous pas t'a privé la comme peuple. C'est parce que la DCPJ justement li peut bois armé politique gang kap fait mentir dans la rue, li peut yo et ben ouais DCPJ pas fait travail li. Et ben effectivement ça cause ouais Haïti trouver dans situation qu'elle trouver là. Et ben pendant que Boulos pas là, citoyens, ça lui-même, lui continue avec l'industrie kidnapping que patron mette dans le pays. Parce que Boulos vient demander, groupe nègre, parce que, pas oublier, Réginal Boulos, t'as cherché barbecue pour barbecue, t'es capable de remettre les G9.
Boulos tap vin PDG G9, qui se groupe gang sa, G9 en famille allié. Fédération G9 en famille allié. Eh bien, barbecue, qui wè ke Boulos ki besoin G9, c'est pour le contrôler, pour le capable de faire des actions politiques, tout le monde qui est dans le pays en boule, et aider le GT, Jovenel Moïse, barbecue dit, négatif, ça va pas passer. Et pour Boulos te commencer, cherche un couloir pour te parler avec barbecue, premier sa régional Boulos te fait, Boulos te commencé à voyer un pile motocyclette bar barbecue. Pour barbecue, bay un groupe négligé, parce qu'on connaît que nég avec zam, c'est sur motocyclette, tu sais qu'il est. Boulos voyait un pile moyen de transport, bah, monsieur, un pile bicyclette. Et lui, il dit barbecue, en tant qu'agent de développement, parce qu'on s'en croit que ça Boulos qu'il est. Boulos dit barbecue, en tant qu'agent de développement dans la zone, m'a voyé un pile et petit motocyclette, toi ou yo pour vous. Pour dégager, pour faire social dans la zone, pour que mes zones soient propres. Et l'autre bagaille, il y a que chaque fois que vous voyez le secrétaire, il toujours voyez une enveloppe qui est pour petit 10 000 $ américains en liquide. Vous entendez bien? Pour petit, Boulos a voyé une enveloppe qui est 10 000 $américains en liquide by Jimmy Cherizy Barbecue, dans Delma 6. OK? Et entre-temps, tout. Qu'est-ce qu'on a pour comme ça? C'était Arnel Belizère. Arnel Belizère, jusqu'à minute, pas parler avec nous là. Arnel Belizère pas jamais capable de mentir déclaration ça que barbecue Jimmy Cherizy fait. OK? Eh bien, justement, si Blanc t'a parlé de moun qui alimente gang, moun qui finance nèg avec zam, de qui ça n'a parlé? Tout moun connaît Reginald Boulos, c'est les mêmes qui mettent Tig Gabriel. Et bien, pour me finir avec histoire ça, le Boulos fait toute tentative ça pour gagner contrôle Genève en famille alliée. Barbecue qui gagne pile nèg dans PHTK qui ses amis, m'a dit nous ça clairement. OK, m'a bien cité non. Avec grand pile nèg dans PHTK qui ses amis, en pile qui était proche Matéli qui ses amis et qui t'a supporté Jovenel Moïse à l'époque. Eh ben barbecue t'a joindre ça pour te joindre tout dans mes proches Matéli et qui t'a supporté Jovenel Moïse au pouvoir parce que c'était structure PHTK, nous connaît évidemment. Qui t'a dirigé le pays dans deux années avant Jovenel Moïse. Alors, pendant deux années, première année, Jovenel Moïse t'a dirigé. Et bien, effectivement, barbecue, t'a dit que ça, monsieur, besoin faire au pape Kafel. C'est organisé pour faire manifestation, pour l'aider à craser Badelma, faire manifestation et armée contre le gouvernement place là, qui c'est Jovenel Moïse. Barbecue dit, monsieur, je ne peux pas rentrer dans ça. Tout ça, Boulos fait. Barbecue dit le pape rentrer dans ça. Eh bien, barbecue, t'as pral commencé en difficulté. Pierre Espérance voyait une mission by Jimmy Cherizy barbecue tout. Pas avancé pour nous tomber dans le dossier de Guy Philippe là. Et nous de comprendre, régime sanction qui prend là, il manquait. Si 28 novembre, 28 décembre, qui vient là, Boulos passe sous sanction, Dimitri Vaux passe sous sanction, nous allons un peu le doute. Nous clés sur ça. T'as pas avancé. Eh bien, normalement, barbecue Jimmy Cherizy vient gagner Pierre Espérance qui confie lui une mission. Qui est-ce qui voye la mission? C'est Timothée Oni, qui est Nèg Belé, qui était l'école même côté avec Jimmy Cherizy barbecue. Mission qui s'allie. 80 000 $ américains. 80 000 $, alors on va pas dire c'est américain évidemment. 80 000 $, barbecue va te préciser pour nous si c'est américain. On va faire ouais. Barbecue dit $80 000 plus 2 Galil. Et puis il dit barbecue mission hein, c'est pour assassiner Marie-Olène Gilles qui c'est une responsable RNDDH avec Pierre Espérance. Pierre Espérance voyait assassiner Marie-Hélène Gilles. Ça fait que ce barbecue, tout le monde dit qui ça fait que ce barbecue, Pierre Espérance, te fait pour tes missions, ça va pour tuer Marie-Hélène Gilles boule. Et m'a dit non. C'est parce que barbecue, te sécurité rapproché. Yon député à l'époque, député ça, c'était un proche Marie-Hélène Gilles. Yon te connaît très très souvent avec Marie-Hélène Gilles. Barbecue connaît Marie-Hélène Gilles très souvent. Chaque fois que député a rencontré avec Marie-Hélène Gilles, barbecue là comme sécurité, et bien barbecue con facilité
pour faire filature sous pied sous Barry Langille, pour le tatouer, par expérience comme ça. Il utilise le couloir ça pour le faire barbecue à l'touille, puis Barry Langille voulait. Barbecue dit, Timothée Roni. Moi, je ne pas qu'on touille les gens pour l'argent. Et je ne pas touiller Barry Langille pour Pierre Espérance. Et bien, mais qui côté, barbecue t'a pas commencé à payer pour casser. Mais qui côté, barbecue t'a pas commencé à payer pour casser. Gabon Ultra. Gabon Ultra, c'est un tout nouveau produit qui sort dans le laboratoire. Il est là pour combattre ça et les dysfonctionnements érectiles, ça veut dire pas camper dit tout. Il y a 15 capsules là-dedans. Il est fait pour prendre une capsule 30 minutes avant de faire bagarre. Yo il est ça, un dynamogène action rapide. Pas oublier qu'il est remplacé 3 produits Gabon parce qu'il est plus puissant. Mais Pierre Espérance t'a pral faire barbecue ouais pour voir dans pays a. C'est après le 13 novembre 2017. Quelques mois après prestation de serment président Jovenel Moïse. OK? 13 novembre 2017. C'est après le premier massacre que Pierre Espérance t'a pral dit barbecue fait soi-disant dans Gravine, c'était ça 13 novembre 2017 si m'pas trompé moi. Et bien justement rale ça me fait son façon pour me dire que Boulos te font façon pour te récupérer groupe armé ça que barbecue à l'époque t'a pral diriger t'a pral chercher qui contrôle barbecue tout d'abord non et Delma 6 et puis le barbecue vient en difficulté. Nous connaissons ça qui passe, barbecue vient rebeller, barbecue vient commencer, je bat pour le contrôle, un groupe nègre, et puis évidemment pour le capable de gérer tête. Boulos te choisi, fait couloir pour la récupérer. Tout ça qui vient passer, barbecue vient mettre G9 quand même sous pied, et bien Boulos vient plus à faire forcing pour le récupérer G9, barbecue dit pas guerre à sortir de là, pas alors ça va qu'à faire, et bien évidemment, Boulos vient replier. Boulos vient dit, soit nous touillons monsieur, ou bien monsieur vient joindre nous. Le Boulos ouè qu'il pa katouye, monsieur. Monsieur pap vin jwenn ni. Boulos al fè chef gang ni an. Ki se Ti Gabriel an dan Cité Soleil. Ti Gabriel fédéré gang pal la tout. Li fè Ti Gabriel rele gang pal la. J'ai peuple. OK? Ti Gabriel rele gang nan j'ai peuple. Et bien gang j'ai peuple la, c'est Boulos qui te dit Ti Gabriel fédéré gang nan tout. De pou fédéré gang nan, nous va chercher tout allié tout. N'a pas de membres fondateurs, n'a pas de alliés, même si on a Genève en famille et alliés tout. Non alliés. Pour Boulos, c'est un allié qui est sûr, il faut que tu aies un groupe gang pour te faire moyen pour te touiller barbecue. Boulos fait Gabriel transporter, alors, voyez soldats sous belé, grain, l'eau par l'eau dans le camion, à le placer sur celle soldat sous belé, et avec présence Kempes sous belé, Kempes comme évadé de prison, n'a mais ton gang sous belé. Et ce gang ça qui d'après le fait avec G9 avait écrasé belé. Parce que l'objectif, Pierre Espérance avec Boulos et Yuri La Tortue, tout le monde connaît, c'était pour touiller barbecue dans Delma 6. Craser Delma 6, faire Delma 6 seul avec belé. Et bien, qui n'est pas arrivé fait. Et groupe armé barbecue est tellement puissant, et bien, barbecue, t'apprends. Fait nèg yo joué pied dans belé et vous t'a pas loin belé capable tourner ta sa qu'elle tourner là moun belé petit belé pas ka vivre belé on zone qui t'est posé on zone qui t'est cool mais nèg politique craser belé avec groupe gang qui ont mettez sous belé. Et bien justement sa façon pour me dire non et que Reginald Boulos c'est chef gang numéro 1 en pays d'Haïti Aristide qui t'est metté la meti manchette la main rouge et mais le Aristide vient aller Boulos vient récupérer gang sa yo. C'est Boulos qui vient mettre gang yo dans pays d'Haïti. Parce que la valas la vient perdre plume. Aristide yo, Boulos vient récupérer gang yo. C'est Boulos qui numéro 1 chef gang dans pays. C'est Boulos qui a mes plus jeunes garçons dans pays. Boulos fait, li utilise un pile jeunes garçons qui capable marcher dans toute société. Yo bandi légal. Et ben
citoyen ça qui est Franzi Valmé alias Didi, monsieur c'est membre fondateur MTV Haïti, parti politique régional Boulos là. Et monsieur dans kidnapping pour Boulos. Monsieur c'est zami ti Gabriel dans Cité Soleil. Monsieur c'est zami vite l'homme innocent dans Tabac 70 Peignier Torsel. Monsieur c'est zami Iso 5 secondes dans village de Dieu. Monsieur c'est zami Mano 5 secondes dans village de Dieu. Monsieur c'est zami ti Lapli dans Gravine. Monsieur c'est zami ti alors Kilik dans Gravine. Monsieur c'est zami effectivement PDG et grand groupe gang Gravine nan, qui c'est Bougoy. Un peuple haïtien, pas qui moyen nous penser que Petionville était capable de kidnapping. Pendant que Valmé, Franzi, besoin pile l'argent. Il y a un pourcentage dans le kidnapping. Nan. Chaque kidnapping, patron, boulos, Abdil, comme il pour le prendre. Faut le faire. L'un fait plus kidnapping, l'abdil plus cob. Mais Valmé, son petit riche que lui, oui. C'est bois armé, original boulos que lui, oui. De ce pays, arrêté. Alors, ou imaginez, il y a un camarade qui dit comme ça que. Si Jovenel Moïse de là, il a dit que c'est persécution politique qu'il a fait sous Franzi Valmé, qui est membre fondateur MTV Haïti, parti politique Réginal Boulos. Nous voulons nous connaître que PDG MTV Haïti, qui est Réginal Boulos, sont kidnappeurs. Et il y a un pile kidnappeur dans le parti politique. Ça. Je dis à Apsé à péter. Et définitivement, c'est pesé pour continuer à peser le peuple haïtien. Prenez soin de nous. Vous comprenez. Pendant que monsieur parle dans le pays, mais vous décidez pour laboratoire, kidnapping, industrie kidnapping, qui vous mettez sous pied, vous voulez continuer à marcher toujours. Parce que c'est vous qui avez une banque, c'est vous qui connaissez la quantité d'argent que la population a gagné dans le pays, mais vous décidez pour que comme ça vous rentrez. Parce que vous avez contrôlé l'économie, vous connaissez combien de cobs qui sont en circulation. Vous connaissez combien de cobs qui peuvent rentrer dans la banque. Vous connaissez combien de cobs qui peuvent rentrer dans la main. Et mais comme ça, l'homme veut mettre la banque, vous mettez kidnapper dans la ria pour kidnapper par n'importe quel moyen pour rentrer comme ça vous-même. Parce que vous avez un plan pour détruire Haïti, vous avez un plan pour détruire Haïtien. Parce que si vous avez un petit cob dans le monde, vous avez un moyen pour manger, et vous avez une capacité pour réfléchir. Pour 1 mois, pour 2 mois, pour 4 mois, qui disposition qu'on capable de prendre pour aider les personnes qui sont trouvées là. Mais si, vous résumez pensez avec moi manger aujourd'hui, qui ça m'a mangé demain, et bien effectivement, le ça, ou même comme peuple, ou pas de capacité pour réfléchir, en rien pour l'avenir, le ça ou pas avenir pays ou encore. Ou pas avenir pays ou parce qu'on a des problèmes manger. L'or, il est réduit ou. Avec, comme si m'a dit, avec question de manger grand goût, à l'extrême, triple ou apcordé, ou abdou besoin manger, ou besoin manger, et bien le ça, ou pas gagner de pays. Pas gagné pour l'avenir, capable de penser. Parce qu'il réduit la capacité, effectivement. Et mais c'est ça que nous devons connaître. Nous allons rentrer dans l'autre chapitre que nous avons gagné pour nous aborder ensemble avec vous. Dans le cadre de l'émission, ça. Effectivement, peuple haïtien, Guy Philippe fait une déclaration là, moi-même qui méritait, et applaudi. Et quelque part, moi comprends en pile. Gagné en pile, alors monsieur parlait de dossier, et dossier par là tout, pendant que l'on est en prison. Est-ce que l'a libéré ou pas? Les parler de ça. Nous pourrons partager l'ensemble avec vous dans la démission. Hein? Ou pourrons connaître ça que le sénateur Guy Philippe dit. Effectivement, dossier est compliqué. Dossier est compliqué, mais c'est nous-mêmes comme peuple qui vous mettez maintenant pas de l'attendre. Parce que la situation à vivre là, nous ne pouvons quitter ça, continuer comme ça. Moi-même, je dis nous, blanc, on m'a dit sauvé, Libanon yon bourade. Bourette que le banouan, c'est que les Edo identifiés, des nègres qui ont une banque dans le pays, les jours, les nègres qui ont une banque là, ils sont kidnappés. Comme on t'a voulu pour kidnapper, ils t'ont baissé en douceur. Ou besoin de liberté dans le pays, et bien justement, mais qui est-ce qui faut pas qu'à ce qu'il y a? Mais qui est-ce qui faut pas qu'à la liberté? Son groupe n'est que des Égyptiens, des Syriens, Libanais, Palestiniens qui prennent le pays en otage. Et bien justement, lorsqu'on nomme tant que Sherif Abdallah. Sherif Abdallah, yodzou qui c'est yon Égyptien. OK? Sherif Abdallah, yodzou qui c'est yon Égyptien, qui sont criminels, qui sont assassins, qui prend pays ou en otage. Comment t'a vle pour penser que Sherif Abdallah t'a jamais quitté pays ou fonctionner normalement? Sous qui base ou t'a pensé que Sherif Abdallah pral quitter Haïti fonctionner normalement? À nous faut-il t'en dire ça?
Sherif Abdallah, Égyptien, né au Caire d'Égypte le 18 août 1958, d'une mère italienne et de père égyptien. À Washington, il a rencontré sa future épouse, Sabrina Léger, OK, qu'il le liait définitivement en Haïti. En 1981, Sherif Abdallah arrivé en Haïti. Il a installé, alors, il revient en Haïti. Il obtient un poste chez Gérard N. Léger, le père de Sabrina, sa nouvelle épouse. Deux, contrôler des assurances Léger, ALSA, Société Anonyme Assurance d'Automobile. Oui, Lamar, Port-au-Prince, Haïti. Ça veut dire dans Pétionville. Et c'est pas trop moi. Sherif Abdallah, le dangereux patron de l'ombre. OK? Il n'est pas trop connu du grand public. Mais il pèse lourd sur le quotidien de tout un peuple. Comme un démon, il agit sans effet remarqué. À lui seul, il est capable de sombrer le pays dans n'importe profonde crise. Quand il souhaite, il est l'homme de tous les monopoles vitaux et de survie du peuple haïtien. Voici quatre éléments faisant d'Abdallah le plus puissant chef de mafia en Haïti. 1. Le gaz. À travers son entreprise Novum, entreprise de distribution de gaz, Sherif Abdallah est le principal distributeur de gaz en Haïti. OK? Il fait de ce produit transversal son âme la plus redoutable. Il l'utilise pour faire chanter tout le monde, les gouvernements qui résistent à ses caprices de petits bourgeois étrangers racistes, leurs entrepreneurs business qui consomment beaucoup de carburant, etc. Il est capable de provoquer de la rater sur les marchés pétroliers au rythme de son humeur. Tenez bien, Sherif Abdallah capable de provoquer rater gaz li janvle, ça veut le rater artificiel là. Li connaît ma li marge de manœuvre ça l'amène. Li gen stratégie ça. Le pour le faire rater artificiel gaz dans pays ya. En même temps tout, Sherif Abdallah li c'est PDG Soje Bank. Li connaît ki jan pour le faire rater artificiel dollar. Li connaît ki jan pour le faire spéculation dans dollar là. Aïe aïe aïe. Ça fait mal en pile hein. Yon pays. Monsieur dans transport aérien. Dans question bagay avion dans pays ya. Monsieur gagne environ 9 à 10 hélicoptères en dans pays ya pour louer seul l'état haïtien. L'état haïtien pas qu'a fait contrat ça dans l'autre monde. De pou fè li boule peyi a sou. Li pou sou yo rate artificiel gaz. Alors, m'ap rappele nou ke, Sherif Abdallah, monsieur se yon allié Joseph Michel Martelly, parce que Martelly nan gaz tout. OK? Martelly nan gaz tout. Monsieur kontrole secteur produit pétrolier, monsieur nan secteur bancaire lan, monsieur nan aérien tout. Ça veut dire que monsieur li nan hélicoptère. C'est lui même qui loue candidat à la présidentielle et avion ou alors hélicoptère et bagay sa yo pour voler dans tout pays. Et de pou pas faire contrat ça nan mel, m garanti ou si petit tout de l'école nan mer boudon mel la li men côté a, la voye level, la prend comme la son l'autre forme. OK? Ça c'est Sherif Abdallah. Nous devons comprendre ça. Et bien normalement
Chérif Abdalla, c'est nèg sa yo qui t'a fait 42 millions de dollars américains dans gaz dans pays ya, et que Jovenel Moïse te dit monsieur ou pas capable continuer faire comme ça. Monsieur te prend téléphone ni, monsieur dit Jovenel Moïse, ça gagne en pile année que l'a fait dans pays ya. Et mais Jovenel Moïse comme président de la République te dit monsieur, eh ben nous gagne pile temps depuis n'a volé dans pays ya. Et ben le ça pardon, déclaration ça t'a pas fait que monsieur courir quitter pays ya pendant plusieurs mois. Pendant que Jovenel Moïse au pouvoir. Pendant monsieur, d'ailleurs, eh bien, normalement, il profite pour que l'organise pour le bouler pays à ce Jovenel Moïse. Nous prenons qu'on est en pile dossier de Chérif Abdalla, mais entre temps, nous prenons rentrer dans l'intervention sénateur Guy Philippe Lan, qui est extrêmement important pour que le peuple haïtien tant de déclarations ça, parce qu'il y a pile parole qui parlait à travers déclaration que sénateur Guy Philippe fait. En avance, peuple haïtien, dans ça qui est pour avec déclaration sénateur Guy Philippe entre-temps avant que nous tournions dans dossier sanctions et que Chérif Abdalla, Gilbert Bidjo, Renaud Dib et Reginald Boulos qui nous là avec Dimitri Vob le 28 décembre peuple haïtien selon Royaume Uni ça pile bagarre qui parle parler peuple haïtien cabette la collé voilà salut nous toutes voilà et peuple haïtien groupe criminel ça mérité jugé. Et effectivement, il y a pile parole que nous pral parler ensemble avant là, dans cadre émission ça. Ça qui est important tout d'abord, nous pral faire autant de déclarations que Guy Philippe, normalement, et comme sénateur élu à l'époque, et nous connaissons que Jocelyn Brivet-Lavalas, avec yon ministre dans le cabinet ministériel liant, qui c'est Camille Edouard Junior, monsieur justement qui t'organise pour le faire job sale ça pour les criminels, parce qu'il a réussi à demander ça, pour ne pas arrêter un sénateur qui est élu démocratiquement en dedans pays, à savoir Guy Philippe. Mais effectivement, c'est Guy Philippe ça qui nous prend le fort en de là, qui prend le fait déclaration ça, qui fait que tout le monde saute. Côté que Guy Philippe, Dieu consacre, et bien lui-même, li pata ka nan peyi an pou Jovenel Moïse ta mouri nan kondisyon sa. Li di depi le, nan gote fèt premier tentative lan. Le 7 février 2021, eh ben li menm, li tap kampe bokot président, li tap pali a président, parce que le ka pali a président, et que patap gen 7 juillet 2021. Guy Philippe, nou pral tande la pe ayisyen. Ancien président Jovenel Moïse. Gen yon bagay ekstremement important kote di, avant que peut-être nou fè entrevue sa, ou te dit que si ou même ou te là, ancien président Jovenel Moïse, pas tap mouri, Jean mouria. M'pense que ça te yon ti Jean attire attention l'autre dit, et peut-être m'ka bon possibilité ouvertement là pour expliquer qui ça kou vle dit. Qui ça kou vle dit exactement l'autre dit, si ou même ou te là, ancien président Jovenel Moïse, li même li pas tap mouri comme ça. C'est ça, m'dou, l'aime de parler hier, m'dou, que moi, m'a été coin. Et d'ailleurs, c'est une raison qui a toujours été tenace pour une justice. Pas pour tel, moi seulement. Pour une justice pour tout le monde, tout jeune garçon, tout jeune fille, tout paysan, ça. M'dépend, ouais, après un cyclone, fin ravage et grandance, qui prend la ria, qui gon espoir, là où même, yo senti pas le voir mon nègre qui va défendre l'intérêt, pour changer ça. Nègre, yo fait ça, ça, 5 janvier 2017. Bataille va lancer pour tout le monde, par exemple, et dans le fond cochon, dans le bouton, et dans le chambellan, ou bien dans la troisième section, il va traverser combien de passes l'eau à l'école, qui va même bien, banc, qui va même bien, et tableau. Côté, il y a un dit, il y a un espoir. Il y a tout pour voter, et vous votez trois fois, parce que vous êtes quoi, que avec un tableau de changement. Et moi, j'étais sûr, j'étais quoi, si je suis là, c'est pas qui m'a dit, je suis rentré dans le ciel, et j'ai un pays, il y a un comme ça. Et par la gagne, j'ai pour président Jovenel d'amour. Parce que depuis, il y a un gars qui a fait en janvier, toutes deux mesures que tu apprends, nous t'appelons là, nous t'appelons conseiller président. Parce que moi-même, je ne parle pas là, président. Depuis, ce rapport qui est sur le président, tout ça, président, dit bon, président, par un spécialiste en sécurité. Moi-même, comme spécialiste en domaine, nous t'appelons le conseiller pour nous t'appelons les mesures pour nous pour nous sauver la ville et pour nous défaire que Haïti va tourner. Ça tourne là, on terre qu'on y a là, que c'est gang qui a contrôlé. Nèg yo te gen plan pou graser Haïti et nèg yo konnen t'a toujours campé en face plan yo, yo planifié, yo conspiré et yo fait ça ou fait là 5 janvier 2017. Kounya mande justice
Jean Brazil là, justice pour peuple moyen qui votait. Et qui connaît les fins de n'est-ce qu'il y a immunité, c'est ça la loi dit, et n'est-ce qu'il y a 6 ans pour la travail pour lui, il a crasé l'espoir peuple là, et moi-même, je combattu tout pour petit point, pour famille, pour amis, pour tout le monde, pour habiller, pour faire, non seulement moi-même, mais toute nation. C'est extrêmement intéressant, une déclaration comme ça vous fait, pendant que nous connaissons que vous êtes arrêté sous processus et jugement qui a été fait sous président Jovenel Moïse, et nous connaissons qui gens que le gouvernement haïtien a réagi dans l'époque tout processus de jugement pour là aux États-Unis. Malgré ça, on croit que ou même si vous êtes là, le président Jovenel n'est pas mort de façon que le mourir, vous êtes campé avec lui. Moi, je vais regarder moi-même qui j'aime. Je vais battre tout le monde. Le président Jovenel n'est pas chef, il n'est pas patron. Nous sommes sénateurs, on peut prendre mon mandat, nous devons le faire, mandat. Mais en même temps, nous sommes haïtiens. En même temps, nous sommes citoyens, nous reconnaissons que le président c'est chef de l'État, c'est chef de l'État haïtien. Comment vous avez dans le pays, vous avez quitté 20 grands mercenaires sortis dans l'autre pays, dans le conflit avec l'ambassade de l'autre pays, avec des collègues en Haïti, 11 secteurs dans la place politique en Haïti, pour venir assassiner et humilier un pays comme ça. Ça va être fait. Et vous va faire le tout. Parce que vous avez le temps de jouer une réponse. Donc, moi-même, je m'a regardé avec tristesse, Jean, processus et soi-disant justice pour le président Jovenel l'a fait. Pour moi, son vaste blague, son lance, son barrage est écrasé, même si le président a mouru. Et qui a pile le monde qui a attendu, sérieusement, il ne va jamais attendre. Donc pour moi, son jouet, le président n'a pas besoin de justice, le peuple n'a pas besoin de justice, dans le cas ça. Ancien sénateur Guy Philippe qui est avec nous aujourd'hui qui n'a pas brassé l'idée sur différents dossiers. M'intéresse si vous voulez pour nous font parler de dossier corruption, dossier insécurité, ou parler de sécurité ou expert en sécurité. Il y a différents pays qui a pris décision contre monde en Haïti parmi eux le Canada. Qu'est-ce que vous pensez de affaire Lisa lui-même et qui de yo? Nous avons une question politique qui a essayé de éliminer une place politique pour prendre le monde à côté de si Haïtien par eux, si sous par eux, pour mettre sous pouvoir. Toute transaction ou tractation qui a fait dernièrement et dans le dernier temps, c'est Jocelyne Brivière qui a pris les ficelles dans la marionnette. Pas l'autre monde. Il y a un contact avec une dame qui est chef adjoint cabinet et premier ministre canadien, qui est secrétaire Jean-Bertrand Aristide, qui a pris le monde de courir, mais elle a le marié. Avec Jean-Bertrand Aristide, qui aujourd'hui a un gros poste dans le cabinet et premier ministre canadien, il a pris les ficelles pour mettre les gens dehors, pour éliminer les gens. Comment on comprend qu'il a parlé de corruption, de gens qui ont des gangs, de gens qui ont une l'armée rouge, de gens qui ont écrasé l'institution de l'État pour l'armée d'Haïti, de gens qui ont corruption, tout cas de corruption, dans le vent, dans série d'entreprises de l'État à perte pour l'État haïtien. Pour t'avoir une liste, qu'on s'appelle un grain naval là, ce qui saute dans la liste là. Non, mais. Toujours mais, se l'aime briller. En attendant. Excusez si je me fais camper un petit moment. Canada dit lui-même, il y a des preuves, et ce n'est pas seulement Canada. Il y a États-Unis qui a pris des décisions dans ça qui vient pour avec combattre l'insécurité en Haïti. Qui preuve il y a? Pour ça, on va pas l'État haïtien. Pour ça, on va faire le public. C'est menti. C'est politique qui a fait pour déstabiliser le pays. Est-ce que pas grand monde qui connaît que Jocelyne Brivière a participé dans le massacre de la Syrie? Il a arrêté le poussin jusqu'à présent qu'elle a beaucoup fermé. Qui ça, Canada, dit de ça? Son bagage politique qui a fait pour écraser un groupe de monde, on n'a pas de problème, non? Ou qu'on aime d'accord ça? Si les PHC ont fait des zones, il faut qu'ils prennent prison. Tout ça, tu es dans le fou, mais dans le corps pétro-caribé, si tu es gagné, dans le corps des tremblements de terre, on a fait toute l'autre des zones, et dans le cas de corruption, il faut qu'ils arrêtent. Même je faut qu'ils arrêtent, les Navalas qui font des zones, c'est seul qu'on ça nous font un pays sérieux, c'est seul qu'on ça pour payer à jouer une routerie. Nous ne pouvons pas chaque fois qu'on vient, il retire le groupe là, il même c'est pas là bon. Ambassade, tout ce que l'ambassade a fait là, c'est à commander un besoin de backup pour avec petit copain, si je vais aller pour prendre un pays et puis venir faire ça, vous voulez faire encore dans le pays des Salines. Il n'y a pas de problème que vous mettez n'importe quel monde qui est dans la corruption, non? Ce n'est pas ça le problème. Je ne suis pas capable de citer le nom ancien président de la République ou bien une équipe ancien premier ministre ou équipe ancien ministre, ça ne va pas venir avec preuve. Ça n'est pas un délinquant, c'est déstabiliser le pays. L'homme, c'était non exact. Tout le monde là. Pas de gain pour vous, c'est l'homme. Bah, il ce bagage public lié. Bah, il pour nous comprendre que le bagage là, c'est un bagage politique. Si on n'a pas de bagage pour vous, si on a un KB, c'est normal pour nous dire que c'est le secrétaire, premier ministre Trudeau, qui c'est ancien secrétaire Jean-Bertrand Aristide, qui t'a parlé à Jean-Bertrand Aristide, selon ça, tout le monde dit,
qui travaille ensemble avec Jocelyne Brivière, qui travaille les codes, puis au reste, qui prendre contrôle du pouvoir en Haïti, parce que le peuple n'a pas voté. Chaque fois qu'il y a une élection, l'équipe ça par exemple, qui a fait plus que 7%, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de passer dans l'élection. Si vous avez un téléphone dans le pays, j'ai marché dit qu'il faut pas avoir un sénateur. Et vous ne pouvez pas empêcher un sénateur de l'envoi. Ou bien s'envoi dans le pays. Donc, nous devons aimer les gens derrière. Donc, il y a fait un complot, il y a pris les ficelles pour nous prendre le pouvoir, pour nous faire les mêmes actes, même des autres, qu'on a fait là. Tout ce qu'on a fait là, c'est par les politiques, à moins que nous avons des preuves que c'est vrai, ça veut dire. Mais moi-même, je suis presque sûr, pas de aucune preuve. Alors, dans toute bagaille corruption, ça, dans toute bagaille financée gang, ça, pas de gens qui définissent l'armée rouge, qui commence à toute question gang, pas de gens qui ont la qui dans la corruption, dans la vente téléco, dans la vente minoterie d'Haïti, dans la vente cimenterie d'Haïti, ou bien dans voler toute comme coopérative, ou bien dans craser comme Petro-Caribé, dans le détail de privée avec tout premier ministre. En attendant, ça, c'est un jouet. Ça, c'est le travail là, là, ce que le Canada a fait, parce qu'il y a eu contact avec Tamsak, dans le cabinet et Trudeau, et puis Jocelyne Brivière comme chef d'orchestre, après les ficelles, pour le cabinet, volant le pouvoir encore. Je vais poser une question à quelqu'un qui eux-mêmes a posé question en bas live là, surtout dans les affaires révolution et côté fait en 2003-2004. Mais façon qu'on parlait, c'est que nous attendons de gagner yon Guy Philippe qui a retourné dans la politique en Haïti, qui a retourné dans la vie nationale. Je ne voulais pas parler de date, le Guy Philippe a plagué et autres. Bon, peut-être pour raison pas aussi, ou même vous voulez mentionner, le gars toujours parlé de lui. Mais est-ce que nous capables d'attendre nous yon Guy Philippe qui a retourné dans la vie politique en Haïti? Pas tout clair. Yo dit que l'arrêté pour blanchiment d'argent, mais pas aucune preuve qui montre que nous avons blanchiment d'argent. Ça me veut pour le plaire pour tout le monde. C'est avec Sojet Bank, yo trafique en série de bagailles. Yo dit que dans Sojet Bank, nous avons fait passer près de 3 millions de dollars américains. Que jusqu'à présent, on n'a pas montré un bout qui est passé. Donc, pas aucun cas. D'ailleurs, c'est ça que je voulais devant OEA. Parce que justice américaine, il est biaisé, c'est pour justice vraiment qu'a fait, on voulait devant la Cour internationale. C'est justice internationale qui a dit, selon sa dynamique, selon sa joigne, on va avoir toute garantie, rentrer de tous côtés, agir sur tous côtés de Philippe Gonco. Tout côté de faire, soi-disant, et blanchiment d'argent. Si je viens y arrêter, m'arrête encore. Mais pas que je m'y ai cas ça. Donc, moi, je suis un prisonnier politique aux États-Unis pour façon Bali. Parce que les États-Unis voulaient tout le temps pour le monde baisser tête devant eux. Pour piler les pays, toujours. Et pendant qu'il y a fait l'issue, écrit non, monde, soi-disant, qui cause Haïti dans sa vie là, faut que tu mettes tête en premier. Toute ambassade est passée en Haïti, ambassade américaine, toute ambassade est passée au Canada, ils ont tout mis dans eux. Parce qu'ils ont tout contribué à écraser le pays. Ils ont comploté, ils ont conspiré, ils ont organisé, ils ont supporté l'assassinat en président de la République. Et qui va y avoir une faire l'issue? Avec quelle qualité morale? Pour nous savoir faire l'IF. Bon, moi-même, je vous dis tout le monde, je vais rentrer, je vais venir dans la politique pire. Et la loi avait, et pas rien qui a fait au fait pas parler dans la politique, parce que la loi avait. Tout ça me dit, c'est ça, de la loi. Invitez-nous à Guy Philippe, à Mbrata, pour me tendre où et pour me capable de formuler des questions tout que nous gagnons, parce que je t'aime que mon youtube yo même yo gagne possibilité pour yo capable de peut-être des questions et me pas de faire lion verte. En nous parler de révolution ça 2003-2004 où tu es en tête yon groupe rebelle qui était contre ancien et président Aristide d'alors qui pas remé genre régime dans lui même lui t'a fonctionné. Ou t'es dans un groupe armé, un groupe qui a des âmes dans le monde, qui a l'autre moyen dans le monde qui a fonctionné. Qui côté Guy Philippe lui-même te joué l'argent, te joué des âmes pour être capable d'opérer et pour être capable de faire gros tonton mouvement ça? Tout le monde connaît que le gouvernement américain, le gouvernement n'importe français ou bien anglais, n'importe empire ça, c'est intérêt seulement au gain. Donc, qui était le gouvernement américain en 2004? Que tu as vu un mouvement qui compte jamais être Aristide. Moi, c'est pour que tu as posé pour réfléchir et puis répondre. Aristide, by blanc, tout ça le voulait. Tout ça le besoin. Aristide crase la médaille. Qui était dans le plan blanc, depuis après, by Panama, tu as voulu faire dans plusieurs pays. Et Haïti est là-dedans. Haïti crase souveraineté économique pays.
yo et privatisé à perte en série d'entreprises de l'État, t'as coûté les communautés d'Haïti et Cimenterie d'Haïti et Naol. Aristide Brazé, production nationale. Président Bill Clinton témoigné, il dit que le regret qu'il a contribué à craser production du riz en Haïti. Tout ça, c'est le président Aristide qui fait blanc, cadeau, bagay ça, ouvert pour faire importation abusive, pas encourager secteur paysan, c'est importation. Il prend un banque l'État, qui est les banques populaires haïtiennes, il fait donner un vache à lait pour prêter l'argent à 3-4 petits copains, qui s'agvine élite économique Haïti, je dis, en pile là-dedans. Président Aristide fait cadeau de souveraineté pays. Politiquement, l'El signe en 2002 avec l'ambassadeur américain. Il dévoyé ministre des Affaires étrangères, Philippe Antonio, qui signe un accord qui permet de blanc rentrer en Haïti, kidnapper les gens qui ont kidnappé là. En plus, le monde toujours a baissé de menti, dit c'est Préval qui signe un traité d'extradition. Non, Préval n'a pas signé aucun traité d'extradition. Préval signe en 1997 un accord de coopération avec les États-Unis. Dans la mer, avec un espace aérien. Seul traité d'extradition qui existait en États-Unis et en Haïti, c'est traité 1904-1905. Aristide Sillon bagaille lui-même, et même parlementaire, qui était contrôlé à 100%, pas jamais ratifié. Et si un blanc dit blanc, il un an, il a rentré en Haïti, kidnappé mon livre. Un an. Archivio là, c'est pour nous chercher et puis après. Pour qui raison? Pour blanc, on est capable de tout bagaille, qui fait tout ça, t'as contre Aristide pour encourager un mouvement et rébellion contre le gouvernement. Ça. Donc, moi, je pense que bagaille et parler peut-être, archivio là, c'est pour le monde d'amoyer et à regarder, à chercher, retourner dans l'époque ça, et puis parler. Je me demande en pile, mon ami, Guy Philippe t'a travaillé pour blanc, Guy Philippe c'est agent blanc, Guy Philippe c'est pion blanc. Attendez, moi, ton commandant, en Haïti. Nous sommes responsables d'abord commissariat Wanamet, qui est sous frontière. Commissariat Delma. Nous sommes responsables de toute zone métropolitaine. Comme tel, nous avons un poste et place qui est plus important dans la question de police nationale en Haïti. C'est normal. Et c'est sous l'autre gouvernement que nous avons des rencontres périodiques avec Blanc. Parce que nous avons une mission onusienne en Haïti. Nous avons un militaire américain en Haïti. Et sous l'ordre supérieur hiérarchique, nous avons rencontré avec eux au moins 3 fois par semaine ce que tout commandant a fait, qui était dans la position. Nous avons rencontré 2 à 3 fois avec eux par semaine. Et parfois, c'est attaché militaire américain qui vient dans la rencontre. Okay. Donc, à partir de toute rencontre, ça, nous avons contact, nous avons amitié, et puis nous avons politique qui fait, bien entendu. Mais à aucun moment, on ne peut pas dire que Blanc est supporté. Un mouvement qui t'a vu contre intérêt Blanc américain n'a pas égaré. Blanc américain n'a pas jamais fait. C'est dommage que la classe politique haïtienne n'a pas eu courage. Non seulement pour accepter et dire toute mon vérité, combien de rencontres que moi-même, Guy Philippe, avec le lieutenant, combien de rencontres nous faisons avec eux, que ce soit Saint-Domingue, que ce soit en Équateur, côté classe politique là, en pile monde là-dedans, déplacé. Vin faire rencontre avec nous, vin planifier mouvement, ça a abouti à 2004. Ce mouvement a commencé depuis l'affaire Ronald Cadavre et qui démet carotte sur nos têtes. On commissaire avec 2 policiers qui vin abouti à 29 février 2004. Dans la route, ça, il y a des gens qui ont été Aristide, qui ont fait l'argent à Aristide, qui ont des problèmes personnels à Aristide, qui fait mouvement par eux. Il y a plusieurs équipes, plusieurs groupes qui ont fait mouvement. Puisque tout le monde connaît en Haïti, président ça n'a pas quitté le pouvoir sans que pas un mouvement armé, à la fin, tout est obligé de venir rencontrer nous, planifier pour Aristide aller. Pour me faire suite à ce que ça n'a pas parlé, je pense que la classe politique Haïti, s'il vous plaît, les cap baille plus d'informations sur comment faire mouvement, côté une jeune moyen et que j'en fais. D'ailleurs, toutes les armes qui utilisent, tout le monde a regardé, dès qu'il y a une caméra, c'est pas en 1804. Et après que ces armes qui étaient pour l'armée d'Haïti, ou bien les armes policiers qui devaient nous rejoindre le mouvement, non? Parce que nous avons un pile policier avec tout. Et d'ailleurs, sans aide, peut-être que le mouvement va avoir jamais abrivé côté pour nous. Donc, gardez-vous bien pour nous. Gardez les armes, gardez qui intérêt à l'équipe d'ailleurs. D'ailleurs, si nous avons obtenu des déclarations de Colin Powell 5 jours avant Aristide Allé, quand il dit le pape quitter l'équipe TOG, retirer le président Aristide là pour 5 ans, et les États-Unis campaient raide.
Et ça, c'est tellement grave. Pendant que je suis dans l'hôtel Montjoli au Cap, en 2004, attaché, chargé d'affaires américain, relé, hôtel là, m'a dit pour parler avec nous. Monsieur a quitté un personnage âgé, oublié non, qui s'est mis hôtel Montjoli, vient relé, et le mène dans le bureau, là, pour me parler avec attaché et chargé d'affaires, et, excusez-moi, américain. Chargé d'affaires là, dit que yo pas toléré, yo pas l'ordre, yo dit tout le monde pas rentrer, États-Unis a agi immédiatement si yo rentré, pour au prince. Parce que les Haïtiens ne font pas. Monsieur était chef qui était maître hôtel là, attendez, réponse que moi, chargé militaire, chargé d'affaires américain, les gens savent que le gain, les dîmes qui sont en famille depuis des générations, les bons mots. Il dit, et parce que c'est la première fois qu'un Haïtien parle comme ça américain. Donc, chargé, mon chargé bagage, chargé preuve, chargé témoin. Qui côté de l'argent? Mandez ou cap bandé classe politique là, ou cap bandé un secteur dans la bourgeoisie haïtienne là, ou cap bandé tout le monde qui te collaborer pour nous dériver côté pour nous arriver là. Donc son mouvement qui était tout à fait haïtien fait mouvement yo, et je dis à la, chrétien yo, m'ba koné, petit capon yo, pour yo montrer que c'est pas fort yo, c'est pas père ou dépère, c'est blanc, ou Guy Philippe c'est pour blanc qui a travaillé. Non, c'est un mouvement haïtien fait, son mouvement commandé avec troupe moi. Nous faisons 4-5 ans, depuis 2000 jusqu'à 2004, qui vient aboutir à départ Jean-Bertrand Aristide, côté nous qui souhaitait créer un pays en Haïti. C'est dommage. C'est dommage. Opportuniste politique. Prend mouvement en otage. Ils font un accord tripartite. Ils font un gouvernement en bas. Et conseil des sages, bagay, tête en bas. Et puis ils lagent le pays à côté. Ils lagent le pays. Mais ce n'est pas plan. C'est un plan. Nous avons des gens qui ne disent pas plan. C'est un plan. Un plan bien défini. Et qui a un pile monde là dans le secteur politique haïtien qui est bien placé. Tout le temps de cap parler dans la radio. Si vous voulez, vous pouvez parler et expliquer. Malheureusement, tout le monde est. Tout le monde est blanc et tout le monde est dit que vous êtes un mouvement armé, vous êtes appuyé au mouvement armé. Et je ne crois pas qu'ils sont secrets pour aucun monde. Que la classe politique haïtienne est appuyé au mouvement. Pas maintenant. Que on ne peut pas dire dans le secteur privé à appuyer au mouvement. Pas maintenant. Parce que tout le monde est reconnu là-dedans. C'est mauvaise gestion. C'est Jean Negro qui vient prendre. Jean Negro écarté. Équipe-moi, après 2004, qui vient faire la guerre dans le trou que de la guerre. Donc, il n'y a pas besoin de chercher aucun prétexte blanc. Il n'y a pas blanc qui est. Et puis, Jean Blanc parle en pile. Jean Blanc qui a gazé. Blanc qui a gazé par épreuve. Nega Haïti qui a gazé par épreuve. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît c'est un mouvement haïtien. Totalement haïtien. C'est grave, c'est que tout haïtien, trois quarts, même les gens qui sont. Je ne sais pas si je pense que Blandé, Bamzam, Blandé, Edim. Tellement, ils répètent. Ils répètent, ils tellement. Ils répètent, ils pensent que c'est vérité. Et lâche, ils lâchent. Haïtien lâche en pile, ils capent en pile. Ils n'ont pas qu'à faire ça, ils ont supposé faire pour sauver Haïti dans le trou que les gens disent là. Ils montrent que Haïtien bataille dans le pays, ils fait une série de bagages extraordinaires. C'est blanc. Comme si Haïtien n'avait pas fait rien. Ok. Non, mouvement, ça va bien, mon handicap blanc là même. C'est moi qui fais mouvement. C'est moi qui monte mouvement. Et c'est le chef mouvement. Malheureusement, les politiques ont trahi. Malheureusement, la classe politique a vendu le mouvement. Mais c'est un mouvement qui est fait pour changer Haïti, pour aider. Là, Guy Philippe a fait un rallye sur le mouvement qui était fait en 2004 contre Aristide. Alors, moi-même, là, ça me donne pour me dans le pays. Des petits mouns étaient des bagages. 2004, quel âge de guerre. Est-ce que je suis dans les 12 ans? Je vais songer, non? 2004. Je suis dans les 12 ans. Ça veut dire que je suis en province. Et le bagage, ça, ça va être chargé. En avance, non? Sénateur Guy Philippe a continué à expliquer. Et puis pour nous-mêmes, et tout de suite après, nous allons faire des commentaires pour que nous fassions ce point. En avance. Il y a soutenu tout qu'il y a là. Tout à fait. Moi qui t'ai vraiment élaboré, parce que c'est ça métier journaliste à demander, là où on a pas l'eau pas qu'à interrompre, surtout s'il y a des détails qu'on est capable de jouer. Moi, je n'ai pile bagarre dans ça. C'est que mouvement, c'est classe politique qui était vraiment à sponsoriser. Mouvement, c'est secteur privé. Mais quand l'autre bagarre au fin dit là, ou dit que ou trahi, ou dit que nèg yo viré sou ou qui la go dans sac ou y est là. L'on a parlé de trahison, mais s'il possible que ou même, parce que je dis assez vraiment, il y a un espace côté ou même ou capable de joindre détails, ou capable de bailler des détails à la nation. L'on a parlé de trahison,
qui est moun côté avec yo comme ça que qu'on yo capable dit qui trahi ou qui la go dans sa courrier là. Premier monde qui trahit mouvement 2004 là, c'est monsieur politique yo qui malgré toute rencontre nous fait que Quito, Équateur ou bien République Dominicaine. Et là réside vient aller et dans rencontre n'a fait dans hôtel El Rancho même jour. Yo quitté rencontre là ensemble avec quelques représentants groupe Salal 24. Il y a l'ambassade américaine, il y a signé un accord tripartite, côté au Vina Couchon, conseil des sages, nous avons côté ça à Zodi, et puis il prend tout mouvement en otage, et il y a la guerre, il y a un truc, il y a la guerre. Donc c'est monsieur classe politique qui était là, dans la rencontre, ça a été Paul Denis qui était là, et Evans Paul est là, et dans la rencontre, il m'a parlé qui était fait Elran Joa, et Andy Apet est là, Charles-Henri Becker est là, et l'autre représentant et classe politique là, et secteur économique, non? Et c'est eux-mêmes pour demander pour qui raison, ils ont quitté le rencontre et ils ont signé un accord tripartite. Et ils ont crasé toute belle promesse qui était faite. Et ils ont lagué le pays en bas, mais blanc, encore une fois, pour faire une transition sans sens. Et qu'ils ont lagué nous qui accouché nous dire en Haïti que nous ok. Je suis content que. Parce que l'émission, ça, c'est vraiment ça que lié. Pour que moun capable you can bring me back on camera if you want whenever you want c'est vraiment ça que lié c'est peut-être il y a une opportunité que vous même capable expliquer ou capable you know dit qui ça passé qui moun qui était là qui moun qui capable surtout dans ça on t'a même retourner sous affaire l'argent et l'argent qui était aidé à mouvement qu'on t'a fait ou dit que secteur privé a on branche dans secteur privé a t'es aidé ou parler de classe politique là qui eux même t'es aidé ou moi gagné et confrère moi qui c'est trois coups de canon pour vérité Rod Joseph qui gagne en question qui dit pour moi mandé où est-ce que ou pas de joindre financement ou du moins est-ce que Guy Philippe pas joindre appui gouvernement la France l'elta fait un tel mouvement est-ce que tu as une assurance quelque part que la France les mêmes était ba où l'autre a fait et l'autre a fait mouvement ça, mouvement de rébellion ça, contre et gouvernement qui était là. Quelle idée? Aucun politicien n'a pas ouvertement appuyé une rébellion dans le mouvement ça. Donc, non, le président français, Dalo, là, pas de gagner pour le dire, il n'a pas de parler avec nous. Par contre, si tu as un contact avec le groupe 184 ou bien avec le mouvement étudiant yo, et, ou bien avec le parti politique, yo, mais moi-même, dans le secteur armé, la rébellion armé, et non, nous n'avons pas de contact ça et nous n'avons pas aucune garantie. Nous n'avons pas aucune garantie, mais aucun étranger non plus. Garantie, nous, c'est que le peuple nous t'a satisfait, le peuple nous t'a content et nous avons mené Haïti côté nous, rêver maintenant. Ok. Ok, bah, je pense que quelque part, la réponse à ce que je connais que nous n'avons pas gagné le temps. Oui, nous essayons d'aller beaucoup plus rapide. Nous n'avons pas et retourner sur le mouvement. 2003-2004 là côté que il y a un pile monde qui dit que Guy Philippe dans mouvement ça a été tout un pile policier il y a des policiers qui yo même you can bring back his banner whenever he's talking que but had me on camera que Guy Philippe lui-même il y a un policier qui était mort m'a regardé monde qui a fait des commentaires là qui dit que il y a des policiers que Guy Philippe t'est tué ou bien mouvement t'est tué et différents policiers est-ce que effectivement, Guy Philippe, dans le mouvement 2003-2004, t'es tué en pile policier. En fait, il y a un pile monde qui m'a dit, est-ce que le mouvement t'es tué en pile policier? Vrai. Son mouvement rébellion gagne, non rébellion contre une dictature, dictature a gagné équipal, mouvement rébellion gagne équipal. Bon, même j'aime tout l'homme de chercher policier dans le mouvement, pas maintenant d'ailleurs, sans policier. M'brave j'aime qu'à prendre en Haïti, m'brave cap circuler, m'brave cap et faire ça m'a pour me faire. Pas oublier son commandant, la police d'abord. Et je pense qu'on n'a pas la n'importe qui en Haïti. Par un policier qui travaille sous commandement, qui pas moi. Ou du moins, 90-95% c'est mon parmi eux, qui est dans le commandant. Parce que je dis, fais travail moi bien avec eux. Donc, le policier n'a pas besoin contre moi. Le policier n'a pas besoin de me en face moi. Bon, ou qu'à arriver, côté non cas bien pris spécifique, un policier qui est attaché à la valance, qui est intérêt dans la valance. De l'ouen est engagé dans la bataille, nous la défendons quand même. Parce que pour les bagages, nous dit, depuis que nous côté, nous toujours dit commandant que nous voyons dans l'opération. Puis nous dit policiers, que c'est pour moi, il y a travail, déposer les amis, vous connaissez moi, c'est eux-mêmes. Et toi, qu'à côté, c'est ça nous fait. Après au Cap, après deux mois, Jean-Charles qui défend une résistance dans la zone de Milo, après dans le centre de Milo, il n'y a pas de résistance.
et pas aucun policier qui victime. Ou après, l'imbé, pas de policier victime. Ou après, Akul du nom, plein du nom, pas de policier victime. Ou après, Plaisance, pas de policier victime. Parce que la bataille va être faite contre la police. C'est chargé policier avec. Et en insécurité, même personnellement, toujours des dômes. Elle regarde photo, elle prend un paquet de policiers des dômes. Donc, non, pas de aucun mouvement. Le mouvement n'a rien pour le faire, pour le dire, dans la question de la police ou de l'armée. D'ailleurs, moi, toujours à plaider pour la police et l'armée, mettre tête ensemble pour le travail pour la sécurité de l'IA. Invitez-nous, c'est ancien sénateur Guy Philippe avec lui. Vraiment, que nous avons débattu différents dossiers, différents sujets. Comme ça, vous-même, vous êtes capable de bien lumière, vous êtes capable de voir, vous êtes capable de comprendre, vous êtes capable d'analyser tout. L'autre bagaille dans le dossier, yo. Nous avons aimé faire parler de l'ancien premier ministre Claude Joseph. Parce que je dis, nous avons aimé peut-être citer non et ou même souvler ou capable d'élargir sur eux. Gemoun là qui dit que l'ancien premier ministre Claude Joseph, lui-même tout le temps fait partie de mouvement. Je parle de mouvement, mouvement 2003-2004. Yo. Est-ce que ou même ou te connoué ancien premier ministre Claude Joseph avec ou est-ce que le qu'on fait partie de mouvement? Bon, moi, je connais que Gary Boudou et. T'es dans le mouvement et jeunes et étudiants. Et tout, nous tous mettons nous ensemble et avec un seul objectif pour nous libérer Haïti de dictature. Donc oui, et certainement, et je pense que le Premier ministre, c'est équipe, dans la même équipe et étudiants et Gary Boudou, c'est sûrement le là. Je pense que là. Je dis le là. OK. Il y a vraiment deux questions que je t'aime et poser à Guy Philippe parce que nous connaissons que. Nous avons là vraiment deux questions que je t'aimais poser, mais restez avec nous en attendant que quitte me dit mon que merci infiniment à Midline qui a lui-même sponsorisé espace ça permettre que nous capables de faire interview ça tant pris ou même qui allez Wally 954 et c'est toujours avec le sénateur Guy Philippe your support I want to pardon sponsorisé parce que c'était posté le monde qui t'a sponsorisé yo. Et ça n'a pas fait. Il y a une organisation qui célèbre les affaires Noël, capable de célébrer la dali. Qui t'a dit merci tout à. L'important. Barrières, the great, and the. James Priest. Soleil, ou du moins. Non, pas parti. Parler sous Haitian. Je ne sais pas si Guilherme a voté pendant là-dedans. Mais de toute façon, je suis content pile que nous ayons là avec nous, Guy. Deux questions que je vais me poser. I know that you la move. OK. Deux questions que je vais me poser. Vous parlez de Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles, c'est une figure très, très populaire en Haïti. Tout à l'heure, on a dit très clairement que Guy Philippe a retourné en Haïti et Guy Philippe a retourné dans la politique. Est-ce que, comme d'abord, des questions comme ça, let me see, je vais regarder qui j'aime capable de rephrase la question. Et Guy Philippe dit que lui prêt pour lui-même, lui retourner en Haïti, surtout dans ça qui est pour lui avec des affaires politiques. Est-ce que Guy Philippe est capable de faire une telle alliance avec Moïse Jean-Charles ou du moins c'est capable de gagner un Guy Philippe Moïse Jean-Charles sur le terrain? Ou après que moi-même avec le sénateur Jean-Charles, nous toujours, nous respectons l'autre. Même le bagne, même les politiques, même le chaque dit non, soutenons les familles politiques, mais nous toujours respectons l'autre. Il n'y a pas aucune raison pour ça de changer. Il m'a toujours là, disposé pour me parler, pour me négocier avec tout acteur politique qui veut le changement à Haïti. Depuis mon accueil dans le développement endogène, depuis mon accueil dans la question, il faut nous réduire. Importation abusive n'a fait de durée de toute bagarre que le pays a produit. Et nous avons quoi faut que le pays ait sécurité. Que ce n'est pas blanc pour définir politique sécurité du pays. Mais aucune raison de cacher avec. Si vous capable de mouvoir un petit peu, peut-être pour dernière question, elle tape extrêmement important. Et je t'aurais aimé. Je vais tout bloquer mon chat. Super. Je t'aurais aimé demander qui conseille que ou même qui était là en Haïti. Et qui pral retourner en Haïti, tant que je vous annonce, qui j'en vois jeune yo en Haïti, jeunesse ça, qui avec insécurité, avec toute qualité problème que yo même y a fait face, est-ce que vous même ou gagnez un conseil pour jeune yo? Il y a une jeunesse haïtienne, l'homme d'a dit, yo suspend, appuyer en série de monde parce que
quelques grands monde vini, yo prend l'argent et yo les tête papa base vraiment base vinn parler, vinn lancer ou bien ou ba un visa ou bien un job. Pas quitter monde vraiment dans cours ça. Analyser pour toi, yo cap faire analyse. Ouais bagaille yo. Puis gros problème nous aujourd'hui à la n'a confronté c'est corruption. C'est corruption que la guerre Haïti côté là. Qui gros mal. Bandi ou dans la rue a fait ça faire, c'est parce que pas aucun espoir encore. C'est parce que corruption yo wea, impunité yo wea, fait au penser que yo cap faire ça ou veut tout. Sans que vous vous rendez compte que ce pays a écrasé plus mal. Même dans des jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays, à comprendre. Tout le temps, nous continuons à appuyer une série de nègres que toute vie, vous passez dans le fait politique sous Don Haïti pendant 40 dernières années, c'est même vous-même, vous faites si pas scout. Vous tout, comprenez le gouvernement Préval, comprenez le gouvernement Aristide, comprenez le gouvernement Matéli, comprenez le gouvernement privé. Vous tout, c'est si pas, c'est même vous, même bagaille, même secteur. Oui, même vous, franchement. Dans ce que je comprends que l'État est même pour prendre le contrôle du pays. Place politique traditionnelle là, il échoué. Il échoué. Constat clair. N'importe qui a une petite café. Donc, nous souhaitons aussi suspendre penser que faut qu'il y ait 50 ans pour faire politique, il faut qu'il y ait 40 ans pour faire politique. C'est pas vrai. Tout gros révolutionnaire, tout le monde qui change, qui soit pays, c'est entre 20 à 27, il fait. Avant de nèg qui pense qu'il y a grand monde pour faire politique, pour une série de responsabilités, non. Je n'en sais nous pour changer pays. C'est génération ça pour changer pays. C'est pour nous suspendre, gars, pour ne pas quitter le monde faire une paix. C'est pour nous changer pays, il y a des sacrifices qui pour faire. Accepter faire, mais sauver Haïti. Guy Philippe qui s'est invité nous aujourd'hui à vraiment une interview qui était douée environ 30 minutes, nous presque à 1 heure et 5 minutes. Oh, we lost him. OK. Yeah. Vraiment, je connais. Et avec timing au niveau de prison, il y a un nombre de temps que vous-même vous accordez. Très bien. Et nous campons là, mais sauf que ce parti qui est important, nous prend. Ça qui est important, nous devons faire point. Alors, fait nous entendre côté que le sénateur Guy Philippe a parlé de assassinat président Jovenel Moïse. Il répond une question sur Dr. Claude Joseph. Est-ce qu'il était dans le mouvement 184 ou pas? Effectivement, en 2004, tout le monde connaît que. Étudiant yo que groupe rat pa kaka grain sonné sou pa traverser la oui t'a maltraité t'a battre tout bagay net mais justement étudiant t'es révolté mais quelque part tout pour connait mouvement ça il était financé par des groupes qui dans secteur privé effectivement et sénateur Guy Philippe dit là et que il a récupéré mouvement tout le mouvement vient aboutir avec ça qu'il t'a abouti Guy Philippe lui-même il déçu il vient regrette quelque part il était fait mouvement de façon qu'il était fait là il pas regrette qu'il était bataille contre Aristide mais il regrette infiniment parce qu'il était collaboré avec un CD à boulot criminel qui était un homme d'affaires dans le pays d'Haïti. Et en gros, ça que m'a dit nous, qui est très important. Bataille pays pas jamais facile. Bataille pour délivrer pays pas jamais facile. Surtout, nos pays qui ont pile richesse et qui ont choisi qu'un peuple dans la pauvreté. Moun qui choisit, prend leadership en tant que révolutionnaire pour caliser le peuple, pour le grand discours, pour le fond li, pour le fond bataille, m'garantou, moun se la prenne toute qualité de douleur dans la ville. C'est seul peuple qui est capable de camper derrière elle, justement pour mener un vrai combat, pour aider le sorti dans ça que vous avez mis là. Ça veut dire que Guy Philippe, effectivement, monsieur, il a été trahi. Monsieur prend un complot 5 janvier 2017 par groupe privé là. Parce que groupe privé a une haine contre monsieur. Il a une haine contre monsieur, ça veut dire qu'il n'a pas pardonné Guy Philippe ça. Guy Philippe t'a frappé au fort. Est-ce que vous comprenez? Guy Philippe te frappe très très fort, mais espérons que nous comprenons ça. Ça veut dire qu'il faut que Guy Philippe te connaisse que là, il te vient dans Petionville, là, il te finit de recevoir un certificat là, il faut que tu te quittes pour le Westland. Il va te supposer en scoop FM. Parce que vous finissez dans CEP, hein, ou recevoir un certificat, mais justement, prends direction Grand Sud là. Est-ce que vous comprenez? Prends direction Grand Sud là. Parce que ça passe. Mais vous avez un VAP quelque part pour arrêter en douceur. Et on peut arrêter Guy Philippe. Parce que Guy Philippe, on l'a armé avec elle. Guy Philippe, son qui marchait complètement blindé avec un pile de gamins ensemble avec elle. Il va jamais cacher. Mais on a eu peur. Mais on fait quelque part avec des policiers qui, plus ou moins, et comme s'ils montrent qu'ils viennent parler avec Guy Philippe, tout ça. Et puis, entre temps, ils ont arrêté Guy Philippe en douceur. Guy Philippe, pendant que vous mettez les armes, pas répliquer. Parce que si tu as une réplique, tu as un petit peu de temps, tu as un bien décent. Parce que Guy Philippe, comme si Mdadjou, c'est des anciens militaires, qui forment, et petit groupe policier BLTSA, pas capable de supporter le combat. Mais heureusement, ça n'a pas fait.
Je me dis bravo avec Guy Philippe, qui a une dimension, ok, homme d'État, dimension, monde qui est responsable, et que l'IPAP encourage et bataille sa fête dans le moment. Mais effectivement, j'ai un désordre de fête là tout. Si tu as une bataille tout, privé ta responsable. Ministre de justice est responsable. Chef police à l'époque, tu as responsable. Parce que le ça, c'était Gédéon à l'époque, si je ne me trompe pas. Tu as responsable ça que tu as passé. Et grand pile l'autre journaliste qui cite que Guy Philippe te ciblé dans ça, comme monde qui n'a complot en tout. Mais justement, ça a arrêté pour Guy Philippe ou elle, ensemble avec l'équipe. Mais effectivement, ça, moi-même, ça que je devais faire. Guy Philippe, comme citoyen haïtien, honnêtement, monsieur, c'est une menace pour tout criminel dans le pays d'Haïti. Monsieur, une menace pour la classe politique haïtienne. Et mon temps que Guy Philippe, mon temps que Jovenel Moïse, pas d'abka vivre dans le pays. Comme yon pas de katouye Guy Philippe, yon font façon arrêter l. Mais Jovenel Moïse, si Jovenel Moïse, c'est dimension ça la kaeli. Gren nan bouda, et puis j'ai capable de gérer sécurité là, Jovenel Moïse pas d'ap mourir. Et yon font façon krasé pays à net. Et yon pas mourir. Se ne yon te katouye Guy Philippe, yon tapouye l. L'autre dossier nous avons pour nous aborder ensemble avant, c'est après-midi dans l'autre émission que nous avons pour nous porter pour dans sur plateforme ça. Nous avons des invités spéciaux pour que nous gagne. Et mais justement, m'a encouragé continuer partager, commenter, like émission ça pour faciliter plus monde capable participer ensemble avec nous. C'est très intéressant. Nous sommes contents ensemble avec nous, oui. Partager émission ça, commenter, like, abonner, si nous pourquoi abonner. Ses amis pas nous. Info bientôt. Qu'est-ce qu'il a balagué. We'll be right back.